Monsieur Loupiac, bonjour. Bonjour. L'association L'Art en Tête a donné rendez-vous au centre de loisirs de Varilhes pour le salon Créazen 09. Cette association est composée d'une présidente qui s'appelle Christiane Marfin, de vous, monsieur Loupiac, co-organisateur, de madame Auton qui est secrétaire, et de Véronique Chen qui est trésorière. J'en ai peut-être oublié. Aujourd'hui, ce salon L'Art en Tête donc fait hommage à Créazen 09 et c'est un salon qui comprend une trentaine de stands. Pourriez-vous me parler un petit peu de tout ce qui se passe dans la salle donc, de loisirs de Varilhes aujourd'hui? Alors, d'abord pour vous dire, d'abord c'est la quatrième édition du salon et ce salon a été, l'ADN du salon, bon, c'est un peu moi, mais c'est L'Art en Tête qui a voulu faire, pour diversifier par rapport à la boutique, a voulu faire ce salon pour donner aux gens du bien-être et tout ce genre de choses. Donc de ce fait, il y a plusieurs stands. Il y a de la voyance, mais il y a beaucoup de bien-être. Donc il y a des bijoux énergétiques, il y a des tisanes, des soins pour bébés, accompagnement féminin, enfin il y a plein de choses. Le mieux pour les gens qui vont voir votre reportage, c'est d'aller sur le site 22 Arcanes où le salon est référencé. 22arcanes.com. Voilà. Donc c'est une quatrième édition qui fonctionne très bien. À chaque fois, on a beaucoup de monde. Et les exposants sont très contents de ce salon. Donc ils reviennent d'année en année, mais afin de renouveler le salon, on change un petit peu les exposants pour donner du renouveau à ce salon. Donc une trentaine de créateurs qui va du soin au livre, à l'ésotérie, aux bijoux énergétiques, à la voyance et aux soins pour bébé. Et la lithothérapie, du reiki, il y a du réflexologie, et il y a toute la palette des thérapeutes qui œuvrent pour le bien-être. Pour le bien-être à Varilhes et la prochaine fois vous serez sur Tarascon. Alors je prépare un salon sur Tarascon le 26 et 27 août, donc il y aura 45 exposants. À la salle de gymnase de la Maison des Jeunes, rue de l'Orte. Et pareil, je conseille vos auditeurs de consulter le site où il y aura tous les éléments nécessaires pour venir à ce salon. Écoutez, merci monsieur Loupiac, merci madame la présidente et tous ses membres. Je vous dis bonne continuation pour ce salon qui a, à mon avis, beaucoup de succès sur Varilhes. Et je dis bon vent et je vous dis à très bientôt. Alors moi, je tiens à remercier quand même la mairie de Varilhes qui a su nous accompagner pour ce salon. Ben, on dit merci à madame Esteban et à son maire et à toute son équipe. Voilà. Merci monsieur Loupiac. Je vous en prie. Au revoir.